Bonjour à tous, je suis avec vous aujourd'hui pour la Duty Box. Et cette fois-ci, j'ai tenu, je ne l'ai pas ouverte. Regardez, elle est scellée, j'ai pas du tout ouvert. Donc, je vais ouvrir ça avec vous. Et je suis super excitée, comme vous pouvez le voir. Hein. Pourtant, il est 21h, j'ai travaillé toute la journée, il est samedi soir et voilà. J'ai pas beaucoup filmé cette semaine, donc même pas du tout, je dirais. Puisque la vidéo que j'ai postée hier, enfin aujourd'hui ou hier, je sais plus, c'est une vidéo que j'avais filmée déjà la semaine passée et puis j'ai eu la flemme de faire le montage, puis j'ai eu du mal à faire le montage. Donc, ce qui explique cela. Sinon, je savais déjà le look de cette Duty Box puisque bon, il nous assaillit de mails durant le mois qui précède l'arrivée de la box. Et voilà, elle est magnifique, je trouve. Franchement, ils ont super bien fait ce design. Bon, bah, du coup, ça ne va pas avec les autres box que j'ai là au-dessus, mais franchement, je trouve que le design est vraiment joli, joli. Je trouve vraiment sympa. Et donc, c'est Cathy Phil, qui est apparemment, je crois, une styliste ou je ne sais plus, qui a créé le design de la box de ce mois-ci. Alors, j'ouvre avec vous, je suis impatient parce que je ne sais pas du tout, il y a juste, on a eu un mail où on pouvait choisir entre trois produits quelque chose, donc il y a un des trois produits que je sais que je vais avoir, mais je n'ai pas choisi, donc je me suis dit non, cette fois-ci je me laisse la surprise parce que je ne savais pas choisir, c'était un vernis essie, je crois, une poudre et il y avait un autre truc mais je ne sais plus quoi, on pouvait choisir un des trois, je n'ai pas choisi. J'ouvre, alors, oups, je casse tout. Alors, Duty Box, la rencontre entre une fashion designer de beauty et beauty, duty, oh là là, tout va bien, ça va bien commencer là. Alors, bon bah je vous passe tout le blabla, on passe tout de suite au produit en, ah bah voilà, bah, moi j'ai eu ça apparemment. Donc la Begasol Lait Solaire SPF 20 qui est, j'ai déjà vu tout voir, qui est ceci. Donc en petit format voyage, je trouve ça encore sympa, histoire d'avoir ça sur soi quand on va quelque part, pourquoi ça peut être sympa. Donc SPF 20, Begasol Lait Les solaires, donc je vais quand même hop, me faire un spruit. Donc c'est vraiment laiteux, c'est pas gras du tout même. Ah, c'est citronné par contre. Ouais, bah c'est frais quoi. C'est une odeur citronnée. Bronzage rapide et intense, testé dermatologiquement. Spécialement développé pour un bronzage rapide et intense, des fines. Voilà. Protection UVA, UVB. Super, parce que c'est, moi je trouve que c'est sympa. Franchement, c'est sympa. Il y a combien d'ml? Il y a 25 ml. Donc, c'est un bon échantillon. Moi, en plus, jamais ça m'est arrivé de terminer une crème solaire durant une saison. Donc, voilà. Sympa, sympa. Ensuite, plan de système fluide hydratant teinté bonne mine full size. Donc, c'est un full size. Un fluide hydratant teinté à l'hibiscus. Bonne mine. C'est quoi? C'est un. C'est comme une bébé crème ou quoi? Fluide hydratant bonne mine hibiscus. Donc ça se présente comme ça. Plan système. Encore un truc bio. Ils veulent vraiment me faire transformer en une bio. Addicta. J'espère juste que c'est pas un autobronzant. Appliquez le matin sur le visage et le cou sur une peau parfaitement nettoyée. Hydrate et donne un teint éclatant et naturel. Il est collé donc je vais pas l'ouvrir. Mais donc voilà, à mon avis, c'est le genre bébé crème. Ouais, je sais pas. C'est pas une bonne crème. C'est un truc plan de système qui donne bonne mine. Bah, ça peut être sympa, hein, oui. Voilà, c'est peut-être pas quelque chose que j'aurais acheté. Pourquoi? Parce que je suis pas du tout attirée par les produits bio. Et pas que, voilà, c'est pas. C'est juste que je suis pas attirée. Je suis pas expliquée, je sais pas, c'est le packaging. Voilà, je trouve ça un peu.
Voilà quoi, moi je préfère un packaging un peu attrayant, coloré. Enfin, ici je vais me dire, il est coloré, ok, mais un truc un peu girly, un truc. Bon, là, Plant System, déjà le nom. Plant System. C'est con, je sais, toutes les fans de bio vont peut-être. Mais moi, enfin voilà, je trouve qu'un truc magnifique, un truc. Je sais pas expliquer, enfin, je sais pas donner l'exemple là non plus, mais. De toute façon, c'est des a priori ridicules, mais voilà. Je l'utiliserai de toute façon, j'utilise à chaque fois tout ce que. À part si je fais plaisir à quelqu'un, sinon j'utilise à chaque fois tout ce que je reçois. Alors, biotherme, lotion corps hydratante aux essences d'agrumes. Ah oui, j'ai oublié de dire. Donc, le full size de celui-ci est normalement à 18,25 €. Le. Full size ici, qui est le full size que j'ai reçu, qui est 40 ml, et normalement à 13,95 €. Donc voilà, ici un lait pour le corps anti-desséchant aux essences d'agrumes de chez Biotherm. Voilà, moi j'utilise toujours tous ces trucs, donc voilà, ça peut être bien. Agrumes, pourquoi pas, voilà, pour la peau sèche, hydratant, Biotherm. Ça servira de toute façon. Ensuite, donc normalement c'est 20 € pour le full size de 400 ml, mais là on a 20 ml, hein, donc faites le calcul. Et ensuite, un fard à paupières. Attention, Duty se dévergonde. Un fard à paupières et de la marque BE Creative Makeup. Creative Makeup Made in Italy, alors qui est normalement à 10 €, enfin 9,95 €, et donc j'ai eu la teinte Amazette, et c'est comme ceci, et je ne vais pas l'ouvrir parce qu'à mon avis ça c'est quelque chose que je n'utiliserai pas, donc ça ira certainement dans un concours, donc voilà, un petit fard mono de la marque BE Creative Makeup. Ici Paris XL. Ok. Je ne connais pas du tout. Et je ne sais pas la qualité de ce truc, mais c'est une belle couleur. Un peu. C'est du. C'est un peu comme. Une des palettes Naked 2, là. Je sais plus comment s'appelle ce fard. Oui, c'est un beau bronze cuivré brun. Je ne sais pas si vous voyez bien, on dirait quand même qu'on voit quand même assez bien la couleur, mais je ne vais pas l'ouvrir. Il est scotché, il est collé, donc je vais le laisser comme ça. Mais voilà, c'est quelque chose de bien. Si j'avais pas toutes les Naked et toutes les la Too Faced, enfin toutes ces palettes que j'ai, voilà, moi les fards mono, honnêtement, je les utilise pas beaucoup, donc je ne vais pas l'ouvrir. Et donc, comme je vous disais, on avait pu choisir entre trois produits. Je n'ai pas choisi, mais ils m'ont envoyé le vernis Essie. Un beau rose pâle, comme ça, il a l'air un petit peu transparent. À mon avis, c'est plus quelque chose qui fait un ongle propre. Mais pas. À mon avis, ce ne sera pas une couleur opaque vu que c'est très translucide. Et je suis contente parce que c'est un pinceau. Européen, ou je ne sais pas comment dire, parce que les pinceaux que j'avais reçus chez L'Oréal en goodies là, c'était les pinceaux, ils disent application professionnelle, mais du coup c'était les pinceaux américains, le pinceau tout fin, et franchement, moi je préfère les pinceaux larges plats de chez Essie, ils sont beaucoup plus pratiques, je trouve, ça va tout de suite sur la largeur de l'ongle, et je trouve ça vraiment mieux, perso. Donc voilà, bah personnellement, j'ai pas cette teinte et franchement, je suis contente. Je trouve que voilà, j'aime beaucoup et voilà, un ongle comme ça, propre, je suis sûre que ça va juste donner un tout petit reflet rose. Ça va être gentil, ça va être sympa. Ça va être gentil, ça va être sympa, n'importe quoi. Et donc, ils sont normalement à 11,99 € ces vernis-là ici. Donc, franchement, global, la box, franchement, ce mois-ci, moi, je suis contente. Je suis contente. À part, je dirais, c'est pas à part, je trouve ça très bien, ce fard à paupières, je trouve ça très bien. Mais ils ne savent pas tout ce que j'ai. Et c'est sûr que là, du coup, ça ne me sert pas beaucoup. Mais franchement, je trouve que la box est pas mal. Et donc, voilà, il y a un bon de réduction de 25% chez Paris XL.
sur ah oui, donc pardon. Avec ceci, sur cette marque-ci, donc c'est une nouvelle marque apparemment, j'irai peut-être la swatcher chez CPRXL avant de l'ouvrir, histoire de voir quand même leur rendu de ce fard. Jusqu'au 30 juin, on a 30% avec ce bon chez CPRXL sur cette marque, sur BE Creative Makeup. Et également 30% sur toutes les crèmes Begasol et voilà, 30% sur toutes les crèmes hydratante. Donc voilà, enfin hydratante, protectrice solaire, protection solaire, tout va bien. Donc voilà, tout va bien. Je fais tout tomber, n'importe quoi, voilà, n'importe quoi, et je dis voilà 36 000 fois. Donc voilà, je suis contente de cette box. Franchement, en globalité, je suis satisfaite. De toute façon, déjà rien qu'avec ça et ça, la box est largement rentabilisée. Donc il n'y a aucun souci, ce sont des produits dont je suis contente. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao !